Je tiens à m'excuser à toutes les filles qui ont été mises dans la story. Elles ont rien demandé, elles se retrouvent là. Ah, pardon. Nouveau drama chez des wanglou wanglou de TikTok. Les assois fait de buzz. Donc ce TikToker qui a la notoriété de Brad Pitt, où tout le monde s'intéresse à sa vie, a été piraté. Donc le monde entier a envie de savoir qu'est-ce qui se trouve dans son compte Snapchat. MDR. Donc en gros, il y a des photos de lui avec différents meufs qui ont fuité. Donc là, on va dire, ah ouais mec, tu gères plein de meufs. Les wanglou wanglou de cité, ah, tichlash, il a de la cote. Juste pour dire qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, de créatrices de contenu sont prêtes à aller loin. Pour des buzz à deux balles. C'est pour ça que je vous dis, les meufs bicards, faut pas sur n'importe quelle photo, sur n'importe quel snap que vous devez apparaître. Vous pouvez juste perdre votre dignité à cause du 9 mois de quelqu'un qui aurait pu être avorté. Parce que là, vous avez rien fait, vous vous retrouvez dans des stories, dans des bails bizarres. En plus, si vous avez un mec qui vous drague, si c'est un mec des réseaux, il y a beaucoup des gens sur les réseaux, ils sont vicieux. S'ils peuvent vous utiliser pour faire leur bad buzz sur leur contenu pour avoir de la notoriété de merde, vous inquiétez pas qu'ils vont le faire. C'est pas tout le monde sur des réseaux qui sont naturels, qui sont spontanés, qui sont vrais. C'est pour ça que moi, j'ai pris la décision, je ne commenterai que ce qui est sur les réseaux. Ne sortirai pas des dossiers des gens. Même si avec le contenu que je fais, je reçois tellement de dossiers, je suis choquée. Je me suis dit, il faut vraiment être une vieille personne pour que ça soit toi qui balance des informations privées de quelqu'un. Sauf que ça, tout le monde n'est pas comme ça. Alors là, je vais parler d'un tel. Quelqu'un va me dire, Sini, j'ai des preuves, j'ai ça, capture des comptes. Mais je suis pas comme ça. Même si j'avoue, ça me tente deux fois. Après, j'avoue, pour l'argent, si on me donne 1 million, balancer la vie de quelqu'un, pourquoi pas? Vous savez, la pauvreté nous pousse à faire beaucoup de choses. Sauf la puterie, c'est déjà ça.